Salut les gens, c'est Sam, on se retrouve pour ce 115e épisode SPQR Immortel Imperator, c'est CK2, et je vous bascule tout de suite sur le jeu. Et alors, la Pontifex Maxima Sabina n'est pas la glorieuse du tout, elle a beaucoup de mal à faire des conquêtes, alors on peut quand même dire que l'Empire croît, mais c'est à 80% grâce aux efforts faits par les vassaux, car elle fait, elle, beaucoup de guerres défensives. J'ai commencé. Pour vous faire gagner un petit peu de temps à recréer Carpathia, il va falloir gérer ces trois terres. On va le faire ensemble. Quoi d'autre? Ici, on a mis tout comme il fallait, me semble-t-il. Et on attendait d'avoir assez de sous pour pouvoir acheter une faveur auprès de je ne sais plus qui pour pouvoir épouser ce bonhomme. Voilà. Voyons maintenant ce qu'on va pouvoir faire. Très bien. Eh ben, je vais t'annuler aussi l'autre, là, la province de Macha. Ça, je pourrais te soumettre. Et quand tu auras fini de te soumettre, ça sera plus facile. Alors. Du coup, lui. Carpathia, là. Voilà, 29 ans. Très bien, hein? Tout ce qu'il faut. Le duché de Crimée. Le duché de Cherson. Le duché de... Alors, assez bizarrement, Trathème. Oui, tout à fait. Et... Le duché de Castille, non. Non, non, le duché de Castille, par contre, normalement, ça va partir ici. Je ne sais pas pourquoi on l'avait usurpé, je ne sais plus s'il était vraiment à quelqu'un de dehors du territoire. Des fois, on peut usurper. J'ai cliqué un peu vite des territoires dans notre propre territoire. Enfin, des titres dans notre propre territoire. Bon, bah là, c'est parfait. J'ai pas besoin de l'usurper l'autre, à lui. Et bah, je l'ai fait quand même. Et du coup, toi, je vais t'usurper, je pense, hein, parce que c'est moins cher. T'en as beaucoup? Non, on va faire ça comme ça va être très propre. Alors, on doit venir mystique. Pour devenir mystique, il faut être... Intérêt d'érudition, mais il faut aussi lancer un observatoire. Ce qu'on va pas faire tout de suite parce qu'on va d'abord avoir les 680 pour acheter une faveur auprès d'elle là. Peut-être pas gagner. Je vous laisserai pas voler mes titres, mais c'est trop tard. En fait, tu refuses parce que je t'ai déjà confié à quelqu'un. C'est pour ça que tu refuses en vrai. Voilà. Peut-être Cassius Belli. Tout va bien. Quelle autre chose voulait faire? Dédier un temple, certainement pas, mais marié, non. Perte de titre, le Regnum Nacticania. Oui, bon, on va gérer ça juste après. N'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Et de toute façon, les Regnums qui n'ont pas de terre réelle ne me dérangent pas plus que ça. Ici, on a un petit peu trop de terre. On va faire un vassal. Voilà. Lui, j'aimerais bien qu'il accepte. J'aimerais bien gagner des sous. Acheter ma faveur. Relancer ça. Alors, je voudrais relancer le jardin. Et sinon, ça sert à rien d'être mystique. Lui, au moins, il faut qu'il tourne. Très bien. Bah, du coup, je vais pouvoir le donner à Carpathia et ça sera réglé. On avait quoi là-haut aussi? On avait des petits morceaux. On atteint un petit bout. Bah, le Galich, théoriquement, t'es censé l'avoir. Hein. C'est ce bout-là que t'as et que t'es pas censé avoir. Comme de Chia et de Lutz. Bah oui, mais. Du coup, tu me le rendrais? Non, tu me le rendrais pas, hein, c'est trop tard. J'ai mal douillé, j'ai mal douillé. Eh ben, toi, je vais te révoquer ton titre. Non, il n'y a pas besoin. Je vais les transférer. Voilà, le com de machin. Alors là, c'est tout propre. Là aussi, Germania commence à être bien belle. Francia, pareil. Bon, là, faudra couper, hein. On va couper un petit bout. Roma, elle est parfaite. Hey, elle a fini. Elle a fini d'acquérir les terres. Adriana et Roma sont finis. Et là, on n'a plus que ces deux petits bouts à prendre. Hein.
Persia est pas mal. Anatolia aussi. J'aimerais bien qu'ils attaquent plus là-haut. Plus vers là. Attaquer, attaquer. D'ailleurs, toi, t'es en guerre contre qui? Dis-moi, dis-moi. Tabriz. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Tu veux prendre ça, mais c'est très bien. Les Abbassides, c'est parfait. Ça veut dire que si tu les attaques pour ça, ils seront attaqués pour ça tôt ou tard. Parfait. On va régler notre problème de succession, notre problème de mariage. Et encore faut-il qu'on ait un enfant ensuite avec. Donc il faudrait qu'on améliore notre sanité, j'allais dire, mais notre façon de vivre. Qu'on soit un petit peu mieux nourri, par exemple, un petit peu moins ivrogne. Un petit peu moins chaste aussi, ça pourrait aider. Si je lui accorde un titre foncier et que je le révoque, il va me faire la gueule. Je vais essayer de le payer. Donner un artefact. La langue d'un grand héros. Allez. Très bien, allez. Invité à la cour. Oui, ça y est, il vient. Finalement, il suffisait de le convaincre lui. Et maintenant, je le marie. Il n'a pas le choix. Go! Ah, ça a été long. Parfait. Bon, et ça m'a pas coûté mes 600 pièces d'or. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Fais la paix avec Carpathia. Très bien, j'ai un peu trop de vassaux, je trouve. De haut rang. C'est quoi ça, le doute thessalonique? Il n'était pas censé être roi de Byzance ou un truc comme ça, lui? Ben voilà. C'est mieux comme ça. J'en ai toujours 10, ceci dit. Ça n'a rien changé. On va voir si ça correspond à ce que je souhaitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah oui, si c'est normal. J'ai 10 rois en fait sous moi maintenant. Ça va vite. Là, c'en est un faux, mais ça va vite. Bon, on va pouvoir se précipiter vers une guerre. Lui, on peut toujours pas l'agresser. C'est dommage. On a vraiment envie. La Saxe. La révolte saxonne. La nouvelle révolte saxonne. Provence. Ce serait pas beau ça? Justère. Allez hop, on y va. On attaque la Provence. Mine de rien, ça va faire avancer un peu la France là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme guerre qu'on pourrait attaquer? Comme chose qu'on pourrait attaquer. Il serait peut-être temps d'attaquer l'Abbasside à nouveau. Déclarer la guerre. Garçon pour Ascalon. Ouais. Est-ce qu'on a le droit au... Non. On va avoir plein de casus belli de propriété de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nom de Dieu, 10 guerres à faire. J'espère que les vassaux vous sont chargés, mais ça sera compliqué. Ouais. Ouais, je sais pas, j'hésite quand même contre lui. C'est un peu cher payé pour ça. On va attaquer ici. C'est parti.
Où est-ce qu'on va lever nos armées? On va les lever. Ici. On est en guerre contre qui alors? Juste lui. Ben, on va lever ici. Et puis, bah, probablement ici. Pour celles qui voudront bien. Bah, c'est tout, il est petit, hein, ça devrait être relativement vite faisable. Est-ce que toi, tu vas réussir? Bah, Britannia. Elle est où, ma troupe? C'est ça, ma troupe? Bah, bravo, Britannia. Allez, on va faire le labo. Construire un observatoire. Ben voilà. Ah bah il faut payer encore. Fantastique ta techno. Non, je vais pas dépenser un taureau à chaque fois que je fais une guerre. Sans façon, merci beaucoup. Très bien, Byzance. Très bon choix. Bah non, tu peux aller direct là, par exemple. Si t'as envie de faire la fête. Là, c'est pareil. Elle est où la rébellion saxonne? Il avait une terre quelque part dans le coin. Là-bas. Alors, c'est pas une terre, hein, c'est juste un petit truc. Il a sûrement quelque chose là-bas aussi. Ah, mais il a plus de petites provinces là. Il a des babioles ici aussi. Ah, ok. Oh, 3000. Hein. Ça va me faire mal. Il y a vraiment plein de petits trucs. Oh là là, puis là-bas, on va s'en prendre tellement. Dans la figure. J'essaye de passer là, c'est quoi ça? T'es un peu indépendant, toi, non? Pas vraiment. T'es un peu entre les deux. Il faut construire ce labo. Et il nous faut construire... Ah bah ça, c'est bien, ça. Du coup, on va relancer un peu tout ça. Parce qu'on va jamais s'en sortir de ces fichues pyramides, bibliothèques et forteresses. Pas que ce soit très cher, mais ça arrête pas de s'interrompre dès qu'on a le moindre... petit négatif. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on est bon. Alors, on a dit qu'on perdait, mais non, on perd plus maintenant. C'est fini. On attend. Parfait. Hop là. T'as pas un truc où tu pourrais aller, toi, là, par exemple, ici? Voilà. Hop là. Oh, je me suis pris une méchante claque. Ah, toi, tu vas attaquer qui? Bah alors? Tu les détruis pourquoi? Pour m'aider? Allez, allez, la Provence, c'est pas rien, hein. La Provence, c'est pas rien. C'est un morceau qui nous a encombré pendant un long moment. Mais c'est pas vrai, tous mes sièges se passent mal, hein. Bon, sauf celui-ci. Allez, on va là-haut. Bah non, du coup, tu vas venir là. Bah oui, je me prends des baffes, hein. Je sais pas si elle va se gagner facilement cette guerre. Faudrait peut-être que j'envoie des troupes. Hein. Alors, hop. La flotte. Elle va ici. Et les troupes. Atrianopolis, c'est où? C'est ici. Ouais. Allez, hop. Très bien la techno, ça marche bien là pour le coup. Ah, étudie les afts, ça c'est très bien. Là ça marche pas, il faut plus de bateaux. Et ben voilà.
on va aller jeter un petit coup d'œil. Alors ça va être encore un bon gros trajet. Là on regrette de pas être viking pour passer à travers les fleuves. Voilà. Ici, ici. On avance. Ah, une révolte, ça faisait longtemps. Elle en a 6000. Et on va attaquer avec 127. On va les perdre au fur et à mesure, au compte-gouttes. Alors, embaucher un physicien de la cour, ça va. Je suis sûr que je risque pas de guérir si j'en ai pas. Et toujours pas de régent non plus. Ouais, un régent. C'est pas gagné. On va aller filer un petit coup de main, ça va bien se passer. Ok, là on va lancer un assaut. On va aller là maintenant. Non, 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 non. Ah, c'est pas la bonne. J'ai eu peur. C'est pour Nice que ça a pris fin. Ben là, c'est pas beaucoup, tous ces gens-là. Ça va pas faire un gros siège. Allez hop, tout le monde là-bas. Tout le monde là-bas. Et ici, qu'est-ce que ça donne? On va tenter le coup. Oui, bien. Apparemment, il y en a d'autres juste à côté, alors on y va. Et pour l'instant, on fait pas beaucoup de score. Voilà. Ça fait plaisir de te marier, mais il faudrait faire un enfant maintenant. Alors, je vais lui enseigner une vertu. Imaginez, je lui enseigne chasteté. La galère, hein. On va pas le faire. Ça serait une trop mauvaise idée. Il n'y a pas un moyen de le rapprocher de nous. Bah, on s'entend bien, ceci dit. Hein. Alors, je lui ai donné des artefacts, mais normalement, ils sont censés revenir à ses enfants. Qui sont censés être aussi un peu les miens. Après, je lui ai donné un petit artefact pas très utile. Ah, bah nous voilà. On va pouvoir commencer à faire un petit peu des trucs sanguinaires. Ah bah voilà, là, ça pète un petit peu déjà. Comment est-ce que ça se passe cette liste de choses là-bas? Ah bah voilà, on veut pas ça. Alors voilà, là il faut choisir le côté mystique. Comment les étoiles se déplacent-elles? Ça c'est scientifique. Y a-t-il autre chose là-bas? Ça c'est mystique. Et je perds immunité. Ça c'est très bien. On continue. Ah, c'est qui ça? Une révolte. Dommage, c'est pas ce qu'on voulait. On tente un petit coup. Ah non, ça va pas. Oh là 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 là. C'est heureusement que c'est pas mes armées. Hein. Oups. Oh non, 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 non. Ah bah décidément. Elle est maudite, hein. Elle est maudite. Elle est juste maudite. Toc toc. Toc. Les flottes aussi. Voilà, on a besoin de plus rien. Elle est maudite. Et les escortes, on va les payer. Parce que maintenant, on a plein de sous. Ici, on a bien 6 unités. Et ici, on en a... Là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15... Ah, j'ai pas réussi, j'ai raté mon coup. Ah, c'est pénible. Pourquoi on peut pas savoir combien il y a d'unités dedans? Voilà, on n'a pas le droit. Donc on recommence. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, 20, 21, 22, 23, 24. Là, pour le coup, on a bien ça. Et maintenant, on voudrait faire 6 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va faire un autre truc de défense. Est-ce que je pourrais en faire encore, encore? Je pourrais en faire encore? Non, je pourrais pas. J'ai pas assez d'argent. Ah, il doit y avoir une meilleure interprétation des signes. C'est pas mon truc de mystique. C'est pas mon truc de mystique. Ça, il faut que ça avance. Bon, on n'a plus de révolte. Hein. En tout cas, on va être mystique. On va essayer de finir le truc. Ah, non, toujours pas. Mais quand est-ce que lui, il arrête d'être en guerre un jour, quoi? L'Abbasside, il est en guerre. Comment ça se passe? Parce que je veux pas intervenir si toi, t'es tranquille dans ta guerre. C'est pas toi qui faisais la guerre? À qui est-ce qu'il possède là? C'est toi qui fais la guerre? À 15 000 hommes? Contre l'Abbasside? Ah bah voilà, bah tu gagnes. Ok. Bah je te laisse faire, je vais pas intervenir, ça va tout bouleverser sinon. La Saxe du coup. Déclarer la guerre. T'es pas indépendant. Oh, encore la Saxe, mais bon, ça fait bien. On pourrait faire la même là pour la Provence, mais on pourrait aussi descendre là depuis le temps. On veut continuer à descendre. 2, 2, 2, 3 là-haut. Mais ça, la France, elle va s'en occuper. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais là, c'est pas lié. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Non, c'est pas Algarve, c'est pas Badajoz, c'est quoi ça? C'est pas Brabant, pas Bretagne, c'est la Galicie? Non, c'est pas la Galicie. Je comprends pas. C'est quoi ça? Murcie. La Murcie alors? De pouvoir déclarer la guerre pour Murcie. Ah oui, je l'ai vu passer. Voilà, pour moi, Murcie, c'était en Angleterre. J'ai confondu avec Mercia. Très bien. Bah là, ça me semble bien. On pourrait prendre ça et avancer un peu sur l'axe. J'aimerais virer la Saxe d'ici. Ou alors, on pourrait passer là. Ça serait plus propre maintenant, là, d'attaquer là. Ça, c'est quoi, ça? Badajoz. Allez, on va déclarer la guerre pour Badajoz. Voilà, on s'avance là dans les terres et on sera plus proche pour Ifrinid pour lui prendre vraiment quelque chose de violent. C'est parti. Malheureusement, on va s'arrêter là. J'espère qu'on va pouvoir valider cette guerre. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas la valider. La Saxe devient de plus en plus puissante. Elle faiblit pas tant que ça. Elle ne devient pas de plus en plus puissante, mais elle faiblit pas aussi vite que ce que je l'espérais, notamment. J'aurais vraiment aimé que la France prenne ça. J'aurais aimé qu'on prenne ça. Il y a pas mal de petits échecs. Comme je le disais, la Sabina, elle est un petit peu maudite. Alors j'espère quand même qu'on va réussir à faire ce qu'on avait l'intention de faire avec elle, c'est-à-dire un enfant qui a toutes les lignées, de façon à ce qu'on puisse ensuite le surveiller et s'assurer que toutes les lignées soient bien transmises. Alors même si on ne les récupère pas tout de suite, on pourra les réintégrer plus tard. On arrivera à faire des mariages jusqu'à un moment où voilà, on réintégrera tout ça. Parce que là, c'est quand même dommage, hein, la lignée d'Alexandre qui pourrait disparaître. Il faut qu'on trouve un moyen de tomber enceinte. Ce qui va pas être facile. Qui va vraiment pas être facile, mais bon.
Sait-on jamais? Allez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à tout de suite pour la suite.